Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Solo TV. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier top 5 de la chaîne. Alors aujourd'hui ça va être un top 5 sur des micro studios gamers ou ce que vous voulez, hein. Vous pouvez les utiliser pour des gameplay, pour des voix off, pour tout ce que vous voulez. Donc là je vais vous les présenter, donc il y en a 5 de différents prix, de différents types et de différentes marques. Donc on va tout de suite vous les présenter. Donc on va tout de suite commencer par, pour moi le moins bien, il reste quand même très potable. Voilà, donc c'est parti. Donc les amis, pour commencer, on va commencer avec un micro de chez Ona, le Ona Mic 900B qui se place en 5ème position. Donc c'est un micro à 84,99€, c'est un micro qui est fourni avec son câble USB, son shock mount et son sa housse de transport. Donc pour 84,78€, franchement, vous en avez pour votre argent. Je précise que tous les liens de tous les micros que j'ai présentés sont dans la description. Donc c'est un micro à condensateur, donc bien pour les studios, pour les gameplays ou les conversations sur Skype ou autre. Donc c'est un micro en USB bien évidemment, comme tous les micros que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, donc c'est en 5ème position le Ona Mic 900B. En 4ème position les amis, on retrouve un micro de chez Audio Technica, donc c'est le AT2020. Donc de chez Audio Technica, donc c'est un micro pareil de studio, hein, pour les gameplays ou autres, hein, comme je vais le répéter. Donc toutes les photos s'afficheront juste à côté de moi, soit là, soit là. Donc c'est un micro qui coûte 99€. Voilà, c'est un bon micro, sans plus, sans moins. J'ai rien à dire dessus, franchement, je connais quelqu'un qui l'a. Et franchement, il est vraiment bien, donc je vous le conseille pour son prix qui est seulement de 99€. Donc le lien également en barre d'infos. En troisième position, les amis, on retrouve un micro de chez Samsung, et non pas Samsung, Samsung. Donc c'est le C01U. Donc c'est un micro USB, hein, comme tous les micros que je présente dans cette vidéo, qui est aux alentours de 108,11€ sur Amazon. Le lien dans la description, encore une fois. Voilà, c'est un micro tout simple, hein, comme vous pouvez le constater sur la photo. C'est un là ou là, je sais pas trop où je vais mettre les photos, mais voilà, donc c'est un micro simple et qui fonctionne très bien. J'ai pu voir des tests sur YouTube, hein, si vous voulez voir des tests plus approfondis, bien n'hésitez pas, hein, allez voir des tests sur YouTube, ça fait pas de mal. Voilà, donc un micro à 108,11€, voilà, donc c'est un bon micro, à mon goût un peu cher, mais c'est un bon micro. Voilà. En deuxième position les amis, et bien on continue avec l'inoubliable, le sublime Blue Yeti. Blue Yeti, voilà, donc la photo s'affiche juste ici. Donc c'est un micro de très bonne qualité, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, le son est juste magnifique. Peut-être à mon goût le style qui pour moi n'est pas vraiment au rendez-vous, je trouve que ça fait un petit peu vieillot, après ce n'est que mon avis. C'est un micro qui est disponible à 139€, livraison gratuite sur Amazon, donc le lien dans la description, en couleur silver. Donc c'est un micro USB, hein, qui peut servir pour les studios ou comme j'arrête pas de me répéter, pour les gameplays. Donc un bon micro, mais il n'est pas en premier, vous allez tout de suite voir le premier et franchement c'est un très gros coup de cœur. Et bien les amis, on se retrouve au top 1 de ce classement. Alors c'est un micro que je trouve franchement ultra bien, je le conseille vraiment, même s'il est, il est cher, mais en même temps c'est de la qualité. C'est le Rode NT-USB Microphone noir. Donc le Rode NT-USB tout simplement. Il est disponible à partir de 179€ actuellement sur Amazon. Il est en réduction au lieu de 199€. Donc il y a 20€ de réduction, soit 10%. Donc 179€. C'est un micro d'une qualité exceptionnelle, franchement. Il est vraiment beau en plus. Il est vendu avec son petit trépied, le micro, le câble USB et le filtre anti-pop. Donc c'est vraiment un très bon pack de chez Rode. Donc pourquoi je le classe en première position, surtout pour ces réglages qui sont situés à côté du micro. On a le réglage de gain du volume pour notre voix, donc si on parle loin ou près, et on a le gain du réglage du casque, puisqu'on peut brancher un casque directement sur ce micro, donc pour peaufiner un petit peu les réglages de notre voix. Et ça franchement ça a été un très gros coup de cœur. Ce micro fonctionne sur PC et sur Mac. Ça aussi c'est vraiment bien, même si les autres le font également. Je crois que le Blue Yeti le fait également. Voilà, donc il est encore en stock sur Amazon, hein, le lien sera dans la description. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir, et à vous abonner. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Solo TV.